Waouh, ça coûte tellement cher. C'était le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé de ma vie, j'ai l'impression. Regardez ce qu'ils m'ont mis. C'était pas du tout ça sur la photo, et là... Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent de Noël. Parce que je le rappelle pour ceux qui ne savent pas encore, je poste une vidéo tous les jours à 18h jusqu'au 24 décembre. Et du coup là j'ai vu un challenge que j'ai grave envie de relever. Il me semble que c'est sur la chaîne de Andy Ella. Et en gros c'est que pendant 24h je dois manger Uber Eats. Et vous savez que manger c'est toute ma vie. Donc là clairement c'est illimité. Dès que j'ai faim je commande. Et même si c'est cher je regarderai même pas. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est la fête et la légende raconte que si tu likes cette vidéo je vais t'offrir un McDo. Alors qu'est-ce que t'attends pour me soutenir? Et abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. Là il est actuellement 10h du matin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à regarder ce qu'il y a pour la matinée. En vrai chez moi il y a pas mal de trucs. Et là je rêverai d'un bon Starbucks. Ce qui est trop cool dans cette vidéo, j'aurais même pas à me déplacer. Donc c'est parti, nous avons j'ai pas très envie d'un tacos à 10h du matin, excusez-moi. Ni d'un McDo clairement. La Micaline, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de boulangerie. Je garde ça en tête. Tout chaud aussi, c'est une sorte de boulangerie qui est hyper bonne. Après je viens de voir, il y a Burger King, KFC, c'est que des trucs du midi ça. Bon, j'ai enfin fait mon choix après 8 minutes. Et je vais prendre du coup chez la Micaline. Je suis hyper dégoûtée pour le petit déjeuner, il n'y a pas beaucoup de choix. Déjà là je viens de voir des fruits. Oh, ma passion sur terre. Oh my god, on a dit qu'on regardait pas les prix. Bon, je l'ajoute au panier en faisant l'aveugle très clairement. Après là j'ai pas non plus extrêmement faim parce qu'il est déjà 10h09. Le repas du midi s'approche à grands pas. Donc je vais juste prendre une boisson. Ça a l'air incroyable. Jus d'orange pressé. Allez, c'est parti. On ajoute ça. Voir le panier, du coup. Quoi? Ah non, mais là, je suis choquée. Vous voyez combien je paye, là? 12,60€ pour des fruits et un jus d'orange pressé. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Commandez. Ça fait mal. La livraison est entre 15 et 25 minutes. En attendant, j'ai vraiment le temps de bien me réveiller. Mais regardez, il y en a toujours qui dorment à cette heure-là. C'est pas possible, ça, monsieur, hein? Laissez-moi tranquille. Arrête de te gratter l'œil, après tu vas avoir une conjonctivite. Bro, tu rigoles. Toi, c'est pas comme ça que tu vas avoir une conjonctivite. C'est nul. Ouais, ouais, allez. J'ai mis vite fait un jogging gris et des claquettes. Oula. Merde, j'ai raccroché sans faire exprès. Je vais le rappeler. Oui, allô. Allô, bonjour, commande Uber Eats. Ah, c'est la commande Uber Eats, j'arrive. Pas de soucis, à tout de suite. À tout de suite. Jeune acteur en français, pourquoi j'ai fait genre... Bonjour, merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Il m'a dit bon appétit. C'est la première fois qu'un livreur me dit ça. J'allais lui dire à vous aussi. Du coup, j'étais en mode... Allez, on va déguster tout ça. Il est trop kiki l'emballage. Regardez, ils ont même écrit mon prénom. Ah, mais d'accord. Elle est rikiki la bouteille. Rappelez-vous, ça coûtait 6€ pour 50 centilitres. Oh, je suis choquée. Regardez ce qu'ils m'ont mis. C'était pas du tout ça sur la photo. Et là, je suis pas du tout content. En plus, j'aime pas, il y a du kiwi. Ah, mais si j'avais su, j'aurais pas du tout commandé là-bas. Bon, après, les fruits sont quand même bons. Ça aussi, je le pensais beaucoup plus grand. C'est ridicule. Je vais goûter le jus d'orange avec vous. J'espère qu'il y a du champagne dedans pour qu'il coûte aussi cher. Ah, ça a un goût assez spécial. Mais ça se voit que c'est des oranges qui ont vraiment été pressées. Par contre, là, j'adore les petits bouts d'ananas qui restent au fond. Quand tu les manges, t'as l'impression de voyager, wesh. Sur ce, moi, je pense que je vais aller à la douche. Parce que là, ma tête, c'est vraiment pas possible comme d'hab. Je vais bien savourer mon jus d'orange, moi, je vous le dis. Est-ce que vous êtes prêts pour la transition matelot sale qui devient propre? Attention! Et hop là! Par contre, grosse dinguerie, en ce jeudi 2 décembre, il fait soleil. Je suis tellement plus habituée depuis que je vis dans le nord que là, ça me choque. Mais du coup, je vais vous montrer comment je me suis habillée. J'ai voulu m'habiller un peu spécial. Clairement, j'ai jamais mis cette tenue. On verra bien ce que ça donne. Du coup, j'ai mis un col roulé noir avec ce pull là. Mais c'est une matière qui gratte hyper beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis un truc en dessous. Mon collier, la base. Bon, après ça, ça reste basique. Et puis, des chaussettes Nike. Il n'y avait pas besoin de le préciser. Il n'y a pas à vouloir se la péter comme ça, surtout pour des chaussettes. Sur ça, avec mon copain, on doit récupérer des colis à la poste. Du coup, c'est ce qu'on va faire en attendant que j'ai faim pour commander à manger pour ce midi. Let's go, c'est parti. Je suis hyper choquée, il fait 10 degrés. Je me sens grave bien. Oh, on a un gros problème, il fait que de pleuvoir. Je sais pas si vous voyez les gouttes. Alors qu'à 2 secondes, il faisait grand soleil. Non mais vraiment, et je sais pas si ma caméra éteint, je vais l'éteindre. Ça fait 3 ans, on attend. Mission réussie. Pour une fois, c'est Fabien qui porte quelque chose. Franchement, moi je suis très content. Comment tu mens? En plus, regardez-le, comment il est chargé. Oh, Seigneur, je viens de faire les magasins.
magasin. J'ai pas vu le temps passer mais il est presque 14h. Et les restaurants le midi environ ils ferment à 14h. Il faut vite que je me dépêche. Je vais laisser Fabien tout seul parce que là j'ai clairement plus le temps. Non mais regardez-moi un débile courir, vraiment. Comme si je pouvais pas y penser avant. Ok, je viens de rentrer, il est 13h52. Ah mais moi quand je fais des magasins je regarde même pas l'heure. Et pour vous dire à quel point j'étais en retard, j'ai dû déposer tous mes articles que j'allais acheter. J'avais même pas le temps de passer en caisse. Bon sinon j'ai un petit peu repéré ce matin ce que je voulais manger. Déjà j'ai pas envie de manger des sushis, j'ai pas envie de manger de tacos, ni de McDo, ni de Burger King. Enfin vous avez capté, tous les fast food un peu comme ça. Je crois les kebabs aussi ça serait la dernière chose que j'aurais envie de manger. Parce que en ce moment je mange tellement mal que encore un truc gras comme ça, ça me donne même pas envie. Mais là par contre je viens de voir un truc, ça s'appelle Mia Restaurante. Ça donne trop envie. Je vais voir ce qu'ils proposent. Des burgers, des pâtes. Oh, oh my god, c'est quoi ça? Tagliatelle, tranche de bœuf fumé, champignons et crème de truffe. Je crois savoir ce que je vais manger, écoutez. Sinon il y a des escalopes aux champignons, aux chèvres au miel. Bon ça, ça donne pas trop envie. Leurs burgers aussi, ils a l'air vraiment pas mal. J'hésite. Moi ça me saoule, à chaque fois j'ai envie de tout prendre. Bon allez, je vais partir sur mon premier choix, sinon ça va prendre 1000 ans. Et je vais prendre un coca. Ok, ajouté au panier. Est-ce que je prends un petit dessert? Bah en soi j'ai pas très faim. Bon au pire je commanderai quelque chose aux alentours de 17h si jamais je crève la dalle. Mais là je me vois pas du tout manger un tiramisu ou quoi. Oh ça va. Le coca a coûté 2€. Bon ça c'est le prix habituel. Et les pâtes ont coûté 12€. Il y en a pour qui ça va paraître cher. Mais moi je pense pour de la truffe etc, je pense pas que ça soit autant excessif que ce matin. Et en tout avec les frais de service j'en ai pour 15,40€. Eh ben écoutez c'est parti. Paiement en cours. C'est censé arriver entre 15 et 25 minutes. En attendant, je vais ouvrir les colis que j'ai récupérés. Je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir. Je me rappelle, c'est vrai que j'avais pris des rangements pour l'autre appartement. Et là, ouais, c'est un immense colis. Je vais déchirer ça avec vous. Ah, c'est quoi? Ah mais je savais pas du tout ce que c'était jusqu'au moment où je vois ça. C'est genre du papier peint. Je sais pas pourquoi j'ai voulu tester, peut-être coller ça dans la salle de bain. Je sais que ça va rendre hyper beau. Bon après j'ai reçu des courriers de ma banque. Mais ça c'est personnel. Bon là le livreur il devrait pas tarder, il fait quoi? Je suis en train de le suivre et je crois qu'il est en bas de chez moi. Mais je suis pas sûre, du coup j'attends qu'il m'appelle. Bon il m'appelle pas, je vais l'appeler. Oui vous êtes en bas? Oui je suis en bas oui. D'accord pas de soucis, j'arrive. Merci. Regardez. Ah je suis trop content. Je vais bien voir du coup à quoi va ressembler mon repas. Bon je vais pas vous faire un dessin, une canette de coca. Et le plus important, oh c'est brûlant. Carrément ils m'ont mis du parmesan. Par contre ils m'ont même pas donné de fourchette. Heureusement que j'en ai chez moi. Je m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça. On dirait un cake le truc. Je sais pas quoi en penser. Comme ça on dirait que ça a l'air vraiment pas bon. Regardez même la tête des pâtes. Mais on est d'accord, je me suis encore fait arnaquer là. Wesh. Bon écoutez je vais goûter. C'est parti. Par contre elles sont super bonnes. Peut-être la présentation c'est à revoir. Après ça a emporté mais je sais qu'on peut faire mieux. Incroyable vraiment. Je vais goûter du coup la fameuse charcuterie. Excellente aussi. Ce que je vais faire c'est que là je vais tout mélanger. On saupoudre vraiment de partout. Oh mince. Monsieur catastrophe de retour. Mais par contre ça va être hyper galère à mélanger dans ce truc. Vraiment c'est pas du tout pratique hein. Le tout mélangé est incroyable. J'avais oublié, j'avais ma canette. ASMR dans toutes mes vidéos. Oula mais qu'est-ce que tu fais Mathis? Fabien, depuis tout à l'heure j'essaie de faire une story pour Insta mais c'est trop chaud. D'ailleurs suivez-moi, c'est mat.brt pour suivre ma vie quotidienne. Envoyez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir. Non mais regardez-le. Je suis ridicule, je meurs. Oh là là, je viens de me souvenir. Vu qu'il est 14h25, il faut absolument que j'appelle mon école. Parce que j'ai eu quelques retards pour certains devoirs. Et j'aimerais savoir du coup comment faire pour résoudre le problème. Vraiment, je suis jamais tranquille quand je mange hein. C'est parti. Oui, bonjour, ce serait... Bébé, j'ai un cadeau pour toi. Mais c'est une blague. Tiens, allez, ouvre. Mais c'est un prank ou quoi? Non, non. Ok. Oh, c'est hyper chou. Il m'a offert des masques. En plus, je sais que c'est mes préférés. Mais oui, je le savais. Et le masque au charbon, bah ça c'est parce que j'ai beaucoup de boutons, c'est pour ça. Ouais, je voulais pas te l'avouer, mais voilà, super. Tu l'as sorti. Surtout que là, oh, j'ai l'impression que c'est en train de me gratter. Bah écoute, je vais les faire ce soir avec eux. Hein. Bah oui, c'est le but. Mais tu les as achetés quand? J'ai pas compris. Bah en fait, quand t'as couru pour rentrer commander Uber Eats, bah moi j'étais assez fort. C'est pour ça que t'es rentré un peu plus.
plus tard, je me disais mais wesh, il est en train de ramper ou quoi là? T'es content? Bah oui, je suis hyper content, merci beaucoup. Du coup, je vais jouer à la Switch. Oh, ça fait trop longtemps. Et mon achat du moment, c'est des petites lunettes. Donc voilà, c'est anti-lumière bleue. Quand je suis sur les écrans, au moins, ça me fatigue moins les yeux. Surtout que moi, je suis hyper beaucoup sur les écrans. Entre le montage, même mes cours, c'est sur un écran, frère. Et en ce moment, je joue au nouveau Pokémon. Ça me rappelle trop de souvenirs quand j'étais petit. Oh, hi! Je suis vraiment trop sexy avec mes lunettes. Ok, alors là, c'est l'heure de faire les TikTok. Je suis en train d'apprendre le belly dance. Vous savez, la danse du ventre comme ça. Je sais absolument pas faire, mais faut vraiment que j'y arrive parce que je déteste quand j'arrive pas à faire quelque chose. Il faut de l'entraînement, c'est parti. J'arrive pas, mais c'est pas normal. Eh, c'est pas normal. Je sais pas qu'est-ce qui cloche. En fait, on m'a dit de fléchir les jambes, mais après, je comprends pas. Enfin, ça me saoule. En plus, ça donne chaud. Oh, je vais abandonner, je crois bien. Bon, là, par contre, il est 20h46. Autant vous dire que je crève la dalle. Et du coup, on va commander. Avant la fin de cette vidéo, il y a mon banquier, il va m'appeler, j'en suis sûre. Mais du coup, attendez. Hop. Je vais m'installer comme ça avec vous. Et puis on va voir du coup ce que je vais manger. Là je sais pas pourquoi j'ai envie d'un burger. Mais vous savez, pas d'un burger de fast food. Un burger de restaurant assez gourmet. Et du coup je vais tout de suite aller dans la catégorie burger. Ok, donc on me propose Mia Burger. McDonald's, certainement pas. Oh my god, est-ce que vous voyez ce que je vois? Le Memphis. Oh, wesh, les hamburgers ils sont immenses. C'est sûr je prends ça, ça a l'air trop bon. Ouais, j'ai envie de prendre le cheese double. Ajouter au panier. Et puis il faut arrêter les sodas. Ma cheese là c'est trop, il faut que je bois de l'eau. Je vais être déshydratée là à force de boire du coca. Je vais avoir que du sucre dans mes veines si ça continue. Allez, on sort sa carte bleue. C'est payé. Ils me disent que ça arrive entre 20 et 30 minutes. Ok, parfait, normalement c'est censé arriver à 21h20. Là il est 20h52. Est-ce que vous vous souvenez que Fabien m'avait acheté les masques là, en surprise? Bon, on va faire lui pour commencer. Meilleur moment. J'espère vraiment ça va faire disparaître mes boutons. Purée, ça coule. Oh, il sent hyper bon. J'aime trop les masques comme ça. Ils sont hyper faciles à mettre. Oh, c'est froid. Mais ben en même temps, ça va pas être chaud, Mathis. Eh ben écoutez, je pense qu'on est bon. Je vous fais peur là comme ça? Ma Face ID, elle me reconnaît même plus. Je vais mettre un minuteur, sinon je vais oublier. Et je vous jure, surtout pendant cette période de Noël, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et tout. Ça détend grave après une journée hyper chargée. Est-ce que tu me reconnais, mon bébé? Oula, il a peur, on dirait. Il se demande vraiment ce que je fais avec mon masque. Il se termine dans 2 minutes. Mais regardez comment il est rikiki. Je l'aime trop, mon amour. Ah, enfin. J'ai oublié de faire une story avant de l'enlever. Voilà, comme ça, c'est fait. Et c'est poubelle. Bon, là, je regarde où est mon livreur. Arrivée imminente. Ça fait peur quand il dit ça. On dirait qu'on va braquer ma maison. Bon, j'y vais, il est là. Oui, allô? Vous êtes Uber Eats? J'arrive. À tout de suite. Je suis là! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Je commence vraiment à prendre goût à ne plus faire à manger et que tout me soit servi sur un plateau d'argent. C'est pas bien du tout cette vidéo au final. Bon, je vais voir à quoi ressemble l'hamburger. Ça se voit, il va me blinder le ventre. Et c'est vraiment trop mignon. Ils m'ont mis des petites frites dans un cornet en plus. Oh, ils m'ont même mis des petits onion rings. Déjà je m'en fous de partout. C'est exactement un burger comme ça que je voulais. Ça fait très restaurant. De tous les Uber Eats que j'ai pris, c'est lui mon préféré. Mais je viens de réaliser que j'ai jamais mangé aussi gras en une journée. Et du coup là je me sens un peu flasque. Non mais il me faut une serviette, c'est plus possible. Je suis vraiment en train de boire de l'eau juste pour déculpabiliser. Ça fait du bien après une journée où j'ai bu que des sodas. C'était le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé de ma vie, j'ai l'impression. Et les frites, elles sont bonnes, hein, mais elles sont pas à l'attente de mes espérances. Les gars, j'ai envie de mourir. Vous savez, moi, j'ai un rituel avec Fabien. C'est qu'à chaque fois que je fais du montage vidéo, je dois manger un McFlurry pour me réconforter, tu vois. Et le problème, c'est que là, j'ai tellement envie d'en avoir un. Mais je viens de finir mon hamburger XXL. Du coup, j'hésite à commander. Bon, ok, c'est bon. Ça m'a saoulé, on va le faire. Uber Eats. Oh, faut que je me dépêche avant que ça ferme. Je vais directement aller dans les desserts. Moi je vais prendre M&M sauce caramel. Ajouter au panier. Non mais par contre là j'en reviens pas. Fabien il vient de m'appeler au téléphone et il m'a demandé de lui prendre un McFlurry aussi. Il veut la même chose que moi en plus. Et je crois il m'a dit il voulait aussi un cheeseburger. Waouh, ça coûte tellement cher. Ça me dit que ça va arriver entre 20 et 30 minutes. J'aime pas rien faire et tous les soirs en ce moment je fais des lives sur Instagram. Donc c'est ce qu'on va faire. En plus je sais que ça vous fait trop plaisir. Donc si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Bonsoir, vous allez bien? Avec vous je vais faire un petit masque. Je vous aime. Oh, il est là, purée. J'ai dû arrêter mon live parce qu'il est là. Vous savez quoi, je vais vous emmener parce que j'ai pas le temps de vous poser. Allez.
Y'a pas à harceler les gens comme ça. Allô? Oui, bonsoir. D'accord, j'arrive. Bonne soirée, au revoir. Voilà la bête. J'étais obligé de commander McDo au moins dans cette vidéo. Vous me connaissez. Lui aussi, vous avez vu, il veut manger mon McFlurry. Qu'est-ce que tu fais, Happy? On arrache, hein, comme d'hab. C'est vraiment histoire de marquer le coup et de prendre 20 kilos. Par contre, ça m'intéresse de savoir combien j'ai payé en tout. Genre, pour une journée d'Uber Eats, il faudrait combien d'argent environ? 12,60€ plus 15,40€ plus 15,35€ plus 14,52€, ça nous fait un total de 57,87€. J'avoue que là, ça fait un peu mal tout l'argent que j'ai dépensé dans de la bouffe. Donc n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait, et activer la cloche des notifications. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, mais là, il est 22h41, il faut enfin que ça s'arrête. Sur ce, prenez soin de vous, soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac. Mouah.